on passe aux commentaires. Moi je dis arrêtez de critiquer cette chanson parce que vous faites pas mieux donc chut. Black M, s'il continue à s'enfoncer, il va trouver du pétrole. C'est trop cool, celui qui dit que c'est nul, il se trompe. Mais c'est vraiment de la merde cette musique, ça craint, t'es pas Big Black M, mais Big Grosse Merde en fait. Je sais pas vous, mais Aladdin, dans le clip, je pense que c'est Kev Adams. C'est une possibilité en effet. J'adore, dommage qu'on peut pas mettre 10 000 Lille, sinon je l'aurais fait. Il doit être trop bien le film Aladdin, dommage que t'as pas Black M. J'adore, continue comme ça et fais pas gaffe aux orageux, ils valent rien. Comment on fait pour avoir un profil? Répondez-moi vite. Bah en fait, faut se mettre sur le côté, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que je suis seul à trouver que le génie ressemble à Eric Judor? Bah oui, les deux mecs ne se ressemblent absolument pas. Le génie dans Aladdin et Eric Judor. Ça n'a rien à voir, faudrait peut-être s'acheter des lunettes, hein, optique 2000, à Felou. Ici c'est Bagdan, MDR habitant de Bagdan, je sais pas, m'en passer, lol. Aladdin, votez vos mains, j'ai hâte de voir le film. C'est un peu tiré du film qui va sortir Aladdin. Demain j'ai une évaluation et ma mère m'a promis d'aller voir ton film si j'ai un A. Et sinon, rappelez-vous du fameux Fuck le Visite. Ouais, Fuck le Visite. Qui devient Rock le Visite. Super la musice. J'aime bien cette musique. Quand la musique est bonne, 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 bonne. Tu crois qu'il y a moyen de faire un petit rap pour les gens et tout aussi? T'es pas un rappeur. T'es pas un rappeur? Ah mais toi non plus Black M, tu n'es pas un rappeur. J'aime bien la chanson, très bien graphisme. Je suis pressé de voir le film au ciné, sinon la musique va très bien avec la bande-annonce. La bande-annonce. Pour conclure, je voudrais quand même souligner que d'un point de vue marketing, c'est du génie. L'idée de répéter plusieurs fois les mêmes phrases au-delà du refrain, et ce dernier qui rentre vachement dans la tête une fois qu'on l'écoute quelques fois, c'est très bon pour la communication, en particulier quand le film que vous avez à promouvoir est vraiment merdique. Mais le souci, c'est qu'on a beaucoup de mal à distinguer le clip de la bande-annonce. Ça vous raconte tout sur les personnages, et ça vous balance une trop grande partie de l'histoire. Serait-ce un prétendant pour la princesse? Inclinez-vous, allez tous prévenir le sultan. Prince Achalia, voilà Aladdin le prince. Il est même dit qu'il a un ami génie qui exauce des vœux. Le vizir, tu sens qu'il a une petite haine. Mandara, bah. On raconte ailleurs, tout le monde le veut. Tout le contraire du vizir et son neveu. Son cœur est libre et il veut Achalia la douce. Et maintenant, je vais vous demander d'exaucer trois de mes vœux. D'abord, laisse un pouce vers le haut sur cette